L'équipe Canada, un groupe relativement disparate de joueurs étoiles, s'est formé en équipe solide en quelques 6 semaines et affrontera les Tchécoslovaques dont les effectifs sont demeurés les mêmes depuis plusieurs années. La rondelle est mise au jeu et une équipe Canada bien préparée exécute sa stratégie à la perfection et désorganise complètement l'offensive tchécoslovaque par une solide mise en échec avant et une défensive quasi impénétrable. À 65 secondes du début, Gilbert Perrault reçoit une passe de Bobby Hull et compte après un lancer foudroyant qui passe entre les jambières de Dzuril. Voyez comment Hull porte la rondelle en zone tchécoslovaque. Passe à Perrault qui décoche son lancer. Dzurila a à peine bougé. Bien appuyé par la performance du gardien Rogatien Vachon, l'équipe Canada continue de patiner, de lancer et de jouer mieux que ses adversaires. Les Tchécoslovaques ne pouvaient s'adapter au nouveau style de jeu des Canadiens et devenaient de plus en plus décontenancés. Mais les joueurs canadiens n'allaient pas s'arrêter là, car Darryl Sittler, un des avants les plus agressifs d'équipe Canada, enlève la rondelle, fait une passe à Denis Potvin, qui déjoue le gardien Dzuril. Le compte, 2-0 pour le Canada. Chaloupa est pénalisé pour avoir fait trébucher Steve Schott et ne prise pas la décision de l'arbitre. Le Canada a l'avantage d'un joueur de plus que les Tchécoslovaques et Bobby Orr s'amène du côté droit et marque un point d'un lancer de revers. À la reprise, on voit Orr près du filet. Une trajectoire qui paraît facile. Dévie sur un joueur tchécoslovaque jusque derrière Dzuril. L'équipe Canada continue sa poussée et Guy Lafleur vient tout près de compter son premier but du tournoi. Les Tchécoslovaques déclassés tentent de dégager leur zone, mais Orr s'empare de la rondelle à la ligne bleue. Une passe rapide à Steve Schott. Son lancer est bloqué à la défense. Lafleur prend le retour et il déjoue Dzuril. Le compte est maintenant 4-0 pour le Canada. Les Tchécoslovaques étaient évidemment surpris et confus par cette tournure des événements. Après avoir battu cette même équipe canadienne seulement quelques jours plus tôt, ils se trouvaient maintenant en déficit de 4 points. Après seulement une période de jeu, l'équipe Canada jouerait le reste du match en accentuant la défensive et réussirait cependant à compter 2 autres buts avant la fin de la rencontre. Rogatien Vachon fut invincible dans les buts des Canadiens et la défensive fut une véritable forteresse, le match se soldant par un blanchissage de 6-0 pour le Canada. Le Canada remportait donc les honneurs du premier match de la finale de façon décisive.